Salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Carmageddon, donc le let's play numéro 2. Cette fois-ci on va faire ce circuit-ci, donc Coastal Carnage. Voilà, entre-temps donc, j'ai réglé un petit peu Audacity parce que j'ai remarqué que pour le premier épisode c'était faible, le record de voix. Donc, c'est pour ça qu'on m'entendait pas beaucoup par rapport aux musiques du jeu et même au son du jeu tout simplement. Donc c'est parti, cette fois-ci j'espère que ça sera bon. Sinon au pire je vous prie la musique hein. On entendra juste les bruits des... Ah. Donc ça aussi j'ai pas expliqué dans le premier épisode. Ça c'est un, bon, c'est un challenge hein, c'est marqué. Et en fait si je le barre, enfin si je le détruis, je récupère sa bagnole. Voilà, tout simplement je pense. De mémoire je crois que c'est ça. Si je le barre, je récupère sa bagnole. Je vais expliquer un peu hein, le concept du jeu, etc. Ce dont je ne rentre pas trop. Donc, Carmageddon. Carmageddon. Que dire sur Carmageddon? Bah voilà, ça se voit. Hein. Dans chaque course, il y a trois possibilités. Hein. Soit on écrase tous les piétons qui sont au nombre de 229 ici sur cette map. Sur ce circuit, voici la map. Donc soit on écrase tous les piétons, soit on finit la course en passant par tous les checkpoints. Donc là on a deux tours. Soit on détruit tous les participants. En sachant que quand on écrase des gens ou qu'on fonce dans les participants, on gagne du temps et des crédits. Les crédits servent à acheter les nouvelles pièces qui sont présentes dans le menu, hein, que j'ai présenté hier. Enfin, dans le premier let's play. Dans le premier épisode. Et je crois aussi que ça sert aussi à débloquer d'autres voitures. Enfin, quand on les détruit, on peut les avoir plus facilement en fait. Enfin, certaines qui sont déjà prédestinées à être obtenues en fait. Parce que quand on avance dans le jeu, on obtient certaines voitures en fait. Pas toutes. Enfin, si on obtient toutes les voitures, mais à la fin du jeu, quand on a terminé le jeu. Voilà. Et donc pour le moment, je suis toujours avec cette voiture-ci. Et apparemment, avec le défi que m'a lancé l'autre, Vlad, avec son sorte de dragster, là. Si je le détruis, je crois que j'ai récupéré sa voiture. Là, j'en ai déjà détruit un. Donc voilà. Qui ressemble à la coccinelle. Avec ce passage était chiant. Rappel de mémoire, chaque fois je tombais. Au final, en fait, j'ai détruisé tous les. Ça, c'est un bonus que j'ai récupéré. Normalement, ça bloque tous les participants sont bloqués, en fait, sont figés sur la carte. Hein. Voilà, deux secondes. Faut pas hésiter avec la vache. Je crois qu'aussi, on peut acheter les parties directement dans le jeu, hein, qui sont sur les touches, mais il n'y aura pas plus de touches. De toute façon ça coûte cher. On continue la course pour l'instant. Ce circuit est un peu chaud, surtout à tout ce passage là avec le looping. Ne vous inquiétez pas, hein, je ferai pas que des let's play sur des vieux jeux comme ça. Hein. Non, après j'ai prévu de faire des let's play aussi sur d'autres jeux de voiture et pas que. Hein, et aussi, peut-être je ferai un ou deux GTA. Sûrement le 5, hein, il sortira qu'en mars. Donc en attendant, je vais peut-être commencer un let's play sur un GTA, mais je dis pas lequel. suspense. Donc ça sera pas le 4. Petit indice, ça sera pas le 4. Ça sera un de ceux avant. Je ferai aussi un let's play sur
sur notre jeu. Un jeu qui est pas facile à commenter, je pense que... Il est parti de là, assez longtemps. Mais bon, je vous en dirai plus sur notre vidéo dans les bulletins que je poste. Hein. Je sais pas si vous voyez, si vous regardez aussi un petit peu les commentaires que j'ai sur ma chaîne. Enfin, c'est les commentaires, c'est en... Non, je crois que c'est en discussion. En partie discussion sur la page YouTube. Je poste assez régulièrement pour dire un peu l'avancée des vidéos, etc. C'est pas mal pour prévenir un peu les abonnés de ce qui va arriver. Si je suis sur Twitter, hein, pour ceux qui sont pas encore au courant, ils peuvent me suivre. Pareil, je poste assez régulièrement des messages pour prévenir. Donc voilà. Aussi, je vais peut-être faire un live, enfin tester, voir si c'est possible ou pas avec ma connexion de faire un live. Twitch ou peut-être un autre site qui propose de pouvoir faire des lives, pas YouTube, parce que YouTube je sais pas, je verrai peut-être sur YouTube ou Dailymotion, je verrai. J'ai à voir si ça c'est possible de capturer. Bon, je pense pas que je pourrais faire du 720p ou du 1080, mais comme si je fais du 480. Pas mal, même si c'est pas super niveau qualité, c'est mieux que rien. Si je vois que je lag trop, que c'est pas assez joli pour être regardé, je m'en regretterai pas, hein. Je continuerai à faire mes vidéos de mon côté et les poster sur YouTube. Déjà que je vois que quand j'upload de certaines vidéos, ça met plus d'une journée. C'est-à-dire qu'ils font 40 minutes sur The Crew. J'en ai mis pour les postes. Ça met du temps. Bon, là je fais pas grand chose hein, depuis tout à l'heure. J'ai juste écrasé. Ouais, je refais la même chose. Bon, je spoil pas, hein, mais on pourra obtenir. Enfin, mis à part tracteur, si je le trouve. Je récupère aussi. Lui non deux. Yvan. Vas-y, passe. Vas-y, passe. Dans le coin. Il est bloqué là, je crois. Alors, lui. Voilà, je l'ai obtenu. Est-ce que je vais l'avoir? Vraiment, ça clignote. Non, sa voiture clignote et elle, entre guillemets, elle monte dans le perle ciel et ça marque qu'on l'a obtenu. Hein. Donc là, non, je me disais bien, les voitures ne les débloquent pas au deuxième niveau, enfin, à la deuxième course. Faut attendre la quatrième ou la cinquième. On commence à avoir assez de crédit pour pouvoir les débloquer. Je pense pas les utiliser les voitures, c'est déjà le dragster, enfin déjà pour l'époque les voitures on sentait bien la différence entre celle-ci et les autres. Je me souviens j'ai rarement changé de voiture, enfin, sauf au milieu du jeu où t'as des bonnes voitures, c'est pas mal, c'est assez solide. Je sais pas ce qu'ils font, ils sont showbiz. Donc voilà, ça c'est un autre passage pour passer ce putain de looping. Lui, je crois qu'il va. Ouais, parce qu'il commence à m'énerver. Voilà, on va pousser. Et on l'avait déjà retrouvé à course d'avant. C'est assez varié hein, niveau véhicule, des adversaires aussi. Pour l'instant, on retrouve un peu les mêmes, mais au fur et à mesure dans le jeu, il y a des nouveaux véhicules qui apparaissent. Ils sont plus résistants. Déjà au niveau de, je crois que c'est 9e ou 8e course, dans la neige. Dans la neige de nuit, il y a un nouveau véhicule qui est plus puissant par rapport aux autres,
qui met plus de temps à être détruit. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier avoir le plus de crédit possible pour pouvoir améliorer ses véhicules assez rapidement. Pour être plus compétitif. Bon, j'essaie de passer de l'autre côté. Bon. Là je suis bouclé déjà un tour. C'est bien 5. Ah merde, ça c'est pas là où je suis arrivé. Ah, quelqu'un qui s'est roulé. Des gens qui sont passés par ici, c'est pas moi. Donc il en reste 3. J'ai vu qu'il y avait aussi du multijoueur dessus, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez faire une petite partie. Faut juste créer un serveur en fait et donner l'IP et on se rejoint. D'ailleurs, ça serait pas mal d'être sur Skype ou un serveur vocal en même temps. Ça, je pense qu'il y a moyen de bien délirer dessus, même s'il est très très vieux, mais je me souviens que. Enfin, c'est pas sur celui-là, c'était sur le 2. J'avais un pote qui venait des fois et on faisait des parties à deux, c'était pas mal. Mais bon, à deux, c'est un peu. Enfin, on est que deux quoi. Y a pas les bots. Donc, on tombe vite fait en rond et on se souvient un peu. C'est pour ça que si on pouvait être 5-6, ça serait pas mal. Je crois que le maximum c'est 8. Je sais plus. Sinon je vous ferai peut-être une vidéo sur le 2 aussi pour vous montrer un peu l'évolution par rapport à celui-ci. Et j'ai géré pour prendre aussi le remake qu'ils sont en train de faire. Carmageddon réincarnation, je crois que ça s'appelle. Ce que j'ai vu, il a l'air pas mal, mais bon, c'est qu'en alpha, donc c'est en early access sur Steam. Donc pour le moment, c'est pas super super. Bon, j'en suis où là? Ouais, je retourne en arrière en fait, c'est ce qui me semblait. On va essayer d'en poutrer un autre là. Ah, il reste plus que deux. Ah, j'en ai tué un, je crois. Celui-ci est 4-4. Voilà. Ils sont un peu stupides au début, mais après vous verrez que l'intelligence artificielle évolue. On joue en normal, il y a trop de difficultés, parce qu'on l'a vu l'épisode précédent quand je l'ai sélectionné. Il y a un bonus pour voir tous les piétons sur la carte, les en points jaunes qui clignotent, mais on peut en trouver. Certaines maps, certains circuits où je sais pas du tout où sont les bonus. D'autres où je sais pratiquement par cœur où ils sont, comment j'y ai joué. Après en terrain, ils sont variés, hein. Enfin on retrouve aussi certains circuits, enfin certaines parties de circuits sont des terrains identiques et parfois avec une ambiance différente, genre dans la nuit des fois c'est, enfin dans la neige des fois c'est de nuit, des fois c'est en, enfin c'est embrumé quoi, on voit pas d'y mettre, un peu comme là avec la distance d'affichage est pas tip top. Ouch, ça va, c'était à prévoir. Ah bah c'est lui. Bah ouais, non, il en restait bien trop en fait. Il en reste que deux. Oh, il y a
appeler le tour. Allez, on va s'en occuper maintenant. Il y en a qui arrive. Tiens. Point. Les gars, tu roules. Attends. Le panique, j'ai fait. Dès le début. Hop. Hop. Hop, voilà. Enfin, on a réussi à passer. C'est un truc où il est complètement penché. Le pont. Allez, là, c'est bon. Je crois qu'il est plus résistant que les autres. Normal, on attend 5-4. Ah, il va partir à droite là. Ici ou pas? Je vais être coincé là. Recule. Voilà, deuxième circuit bouclé. Donc voilà, on a des bonus avec le temps aussi. Bon, je passe, hein, c'est pas très intéressant. Hop. Voilà, niveau 95. Voilà, bon, j'enchaîne directement avec le troisième épisode. Allez, hop.